actuellement à Trois-Rivières-Ouest, tout près de l'autoroute 55. Et de l'autre côté, on a la rue Marion avec une série de petites rues résidentielles. Ici, les citoyens et les citoyennes m'ont beaucoup parlé justement du problème du bruit. Ça serait assez simple que la ville leur donne un coup de main et qu'on puisse faire des écrans végétaux pour minimalement couper un peu le bruit. Mais c'est quelque chose qui a été refusé aux citoyens et aux citoyennes qui habitent près de l'autoroute ici. Moi, je pense qu'il est temps comme ville qu'on donne une certaine qualité de vie à nos citoyens pour qu'on puisse, à peu de frais, pouvoir faire un aménagement qui, minimalement, va réduire le bruit. En plus, si on fait un écran végétal, on va dans le sens de l'environnement. On sait que c'est important aujourd'hui. Non seulement ça va avoir un impact sur le bruit, hein, parce que ça, c'est important. Vivre dans du bruit constamment, c'est vivre dans le stress constamment. Mais en plus, on va avoir la possibilité d'avoir de la verdure, on va avoir la possibilité d'avoir des arbres du long de l'autoroute. Donc, c'est un plus pour tout le monde. C'est un plus pour les gens qui utilisent, mais c'est un plus surtout pour les résidents de Trois-Rivières. Pour nous faire part d'une problématique dans votre secteur, écrivez-nous à gf@commercial-gfaubin.ca ou via notre site internet gfaubin.ca. Faites-vous aussi partie du mouvement.